cherche un millionnaire. Un type chic qui voudrait bien de moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire qui me dirait froidement, tout ce que j'ai est à toi. Je cherche un millionnaire pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des homards. Je cherche un millionnaire. C'est pour ça que je suis là ce soir. Oh, je suis émue parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois que je monte sur une scène. Demain, je me marie. Ce soir, c'est un petit peu mon enterrement de vie de jeune fille, en quelque sorte. Je vais vous donner tous mes secrets. J'épouse un milliardaire. Je suis contente. Est-ce que quelqu'un parmi vous gagne plus de 10 millions d'euros par an? Encore une salle de pauvres. Ah, c'est pas grave. On est pauvres, mais on est heureux. Ouais. Alors, un milliardaire, j'explique, parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1810 dans le monde. C'est rien. Ce serait des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. En tête, l'homme le plus riche du monde, c'est Bill Gates. En deuxième position, il y a le propriétaire de Zara, Amancio Ortega. Et juste derrière, Warren Buffett, c'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 40 milliards. J'adore Warren! Il change jamais de voiture, il a toujours la même maison, il a épousé la serveuse du café d'en face, il a voyagé une seule fois dans sa vie, il est allé en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un T-bone steak le vendredi. Et il est numéro 3 sur 7 milliards, et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates. Pour son association caritative, il repeint des écoles. Non mais vachement bien, hein, au pinceau. Hein. Il va tout redonner aux pauvres, ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres, il a essayé de pas les payer beaucoup. Il a plutôt réussi. Et à la fin, il leur dit quoi? Surprise, c'était une blague. En France, il y a 40 milliardaires. Les trois premiers, c'est Arnaud, Pinault et Liliane Bettencourt, celle qui possède L'Oréal. Elle, elle a 37 milliards. Entre nous, c'est même pas elle qui les fabrique, les crèmes. Arnaud, il est 14e, Bettencourt, elle est 11e et François Pinault, il est 65e. Oh, sur 7 milliards d'êtres humains, c'est pour ça que je voulais épouser un milliardaire pour pouvoir dire... Bonjour, Audrey Vernon, enchantée, je suis comédienne. Et 33e. Sur 7 milliards, je comprends pas pourquoi les jeunes filles fantasment sur les chanteurs et les acteurs, elles ont rien dans la tête ou quoi? La nuit dernière, j'ai rêvé que je sortais avec Jude Law. La loose. Bon, est-ce qu'il y a des filles ce soir dans la salle? Oui. Est-ce qu'il y a des filles qui sont encore célibataires dans la salle? Vous pouvez me le dire, je sais bien qu'il y en a qui sont venus pour ça. Non, parce que j'ai un super plan. Est-ce que vous connaissez Bruno Lafont? Ouais, c'est sûr, Brad Pitt, Johnny Depp, ça vous dit quelque chose, et Bruno Lafont, rien. C'est le PDG de Lafarge, numéro 1 mondial du béton. Milliardaire. Qui aurait pu deviner qu'on pouvait devenir milliardaire avec du béton, de la farine, avec de l'eau? Non, non, ça c'est la pâte. Le béton, c'est de la pierre avec de l'eau. Il en existe de différentes sortes, avec de multiples propriétés. Il y a le béton armé, le fibré haute performance, l'autoplaçant auto-nivelant qui fait un parement très plat, qui ne nécessite pas de vibration, c'est génial pour les ouvriers.
Un des secrets pour épouser un milliardaire, s'intéresser un petit peu au métier. Par exemple, il ne faut pas confondre plâtre, béton, ciment et granulat. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Si vous le croisez à l'occasion d'un forum international des ponts suspendus, vous pourrez lui dire... Bruno ? Bruno Lafont ? J'adore ce que vous faites ! Le ductal, c'est mon béton préféré ! Il est hyper fin, en même temps hyper résistant, il fissure. Très peu. C'est vraiment l'innovation technique que j'attendais. On prend un verre ? Vous lui dites ça à Bruno, c'est sûr, ils font. Moi, à partir de demain, j'aurai plus le droit de travailler. Je vais avoir un mari, des enfants ou quelque chose d'approchant. Une cuisine équipée, un coiffeur, un wok. Mon futur mari, je l'ai rencontré dans une soirée, un peu comme ici. Presque. Bon, je ne peux pas vous apprendre à reconnaître un milliardaire dans une soirée, il n'y a pas vraiment de signes. Par contre, je peux vous apprendre à reconnaître un pauvre. S'il porte sur lui des marques que vous reconnaissez, le petit cheval de Ralph Lauren, une Rolex, une Porsche, c'est un pauvre. Un milliardaire n'a pas de signe extérieur de richesse, en tout cas pas sur lui. Abramovitch, le milliardaire russe, son signe extérieur de richesse, c'est Chelsea. Le club de football anglais. Bon, je vous ai fait des fiches. Bon, ça les gars, c'est la base, hein. Carlos Slim, élu deuxième homme le plus riche du monde, il a 15% du Mexique. Je vous ai mis un beau pour pas vous décourager. Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. Il est bien. Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, le franc, et en ce moment, il adore l'euro. Qui est-ce qui aime le Nutella? Eh ben, c'est pour elle. Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferrero, est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. C'est triste. Il lui a fait exactement le cadeau que je voulais. 40 milliards. Li Ka-shing, 9e, c'est le propriétaire de Mariono. Ye Shanghai, 888e. Pour les Chinois, faut être un petit peu physionomiste. Parce qu'on peut croire s'endormir avec Li Ka-shing et se réveiller avec les Shanghai. C'est un petit peu contrariant. Attention pour les hommes. Ta-da! Ça, c'est Jacqueline Mars de Mars. De 1 mars et ça repart. C'est à elle. Elle est super sympa. Et elle a un petit frère qui s'appelle Junior. Bon, il a 84 ans. Alors, plus belle progression de l'année, grâce à qui ? Grâce à nous. Zara Amancio Ortega, 2e fortune mondiale. Quelqu'un parle espagnol ? Il vient juste de perdre sa femme. Ah voilà, tout de suite, bim, un pauvre. Ah, vous foncez, c'est dingue ce déterminisme social.
Hugh Grant, faux ami, vous le voyez, vous lui parlez même pas, vous lui filez 10 balles, ok? Attention, homonyme. Hugh Grant, le PDG de Monsanto. Oh, voilà, tout de suite, bobo de gauche. Ça, c'est le Hugh Grant qu'on aime. Il a eu une super bonne idée, il a breveté les pommes. Ben, fallait juste y penser. Bon, ça, c'est pour que toute votre vie, vous pensiez à moi quand vous allez au supermarché. Brigitte Rausing, Tetra Pak. Tout reste intact. On se moque pas. Ah, celui-là, j'aime bien, on reste dans le lait, c'est un français. Emmanuel Beignet, c'est le PDG de Lactalis. Bon, lui, il a qu'une seule obsession, c'est qu'il veut pas que les producteurs de lait soient payés trop cher. Il veut pas que les producteurs de lait vivent de leur travail, mais lui trouve normal de vivre du leur. Et enfin, mon préféré, Marc Ladret de La Charrière. C'est le propriétaire de cette salle. 722e fortune mondiale, 23e fortune française. C'est le nouveau roi du showbiz. Bon, avant, c'était surtout le propriétaire de Fitch, l'agence de notation. Les agences de notation, c'est les agences qui disent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Plus d'austérité, moins de fonctionnaires, moins d'écoles, moins d'hôpitaux. Sa plus belle action, c'est la Grèce. Il a été le premier à dégrader la note de la Grèce. Il s'en est suivi des années d'austérité, mais il adore les Grecs. Là, c'est lui qui a restauré la victoire de Samothrace au Louvre. Il a offert la restauration des antiquités grecques. Les Grecs, ils les adorent, mais plutôt en miettes avec un bras en moins. Voilà, je suis très heureuse d'avoir joué Sal Peyel dans cette magnifique salle ce soir. Mon petit doigt me dit que c'est la première et la dernière fois. Je crois que je suis amoureuse.